senga bazonga ndeli suse batika bafulwe bele na Congo malakela Congo na biso mabe bango balo batu Congo ko bonga te fachazi Congo apesi yango la nzambe okasaka binda yango esila e okende université esila e baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko Congo mobimba musala ezo salama bana bango yo batangi ofele bezile politike si bazonga e baprisonnier politike basi babima e ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko e tobete la fachi nde maboko e tobete la fachi nde maboko e tobete la fachi nde maboko. Nous sommes au rendez-vous quotidien avec notre émission sur Makolo Digital Radio Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps Don Kayembe. Notre émission quotidien, pas hebdomadaire, quotidien, appelé spéciale élection. Le thème d'aujourd'hui est les acquis pour la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, Fatshi Béton 20 pour les intimes. Alors aujourd'hui, vous attendrez à ce que je fasse seul, mais je suis avec un invité de marque. L'invité d'aujourd'hui, c'est Dr. René Kayoka, qui est médecin de formation. Il est cadre de l'UDPS, présentement ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Texas. Il est secrétaire général de la région Sud-Est. Il est aussi secrétaire sectionnaire en charge de la communication, information et médias dans la section de Texas. Il est directeur adjoint en charge de stratégie électorale et de mobilisation dans le team Fatshi 2020 ici aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, docteur René Kayoka. Bonsoir, camarade Don. Très heureux de vous avoir aujourd'hui sur Makolo Digital Radio Télévision. Donc, on vous attendait de pied ferme. Alors, très heureux qu'on soit ensemble. Ainsi donc, je voudrais un peu vous poser une question sur base de vos multiples titres que vous occupez. En votre qualité de médecin, vous devez être très chargé, mais vous occupez encore de multiples postes au sein du parti. Comment vous conciliez le travail et ses occupations politiques? Ok, merci beaucoup. Donc, la politique, je dirais que je suis dans cette politique depuis tout petit. Donc, c'était par mon père que j'ai acquis cette passion de la politique. Comme mon père était parmi ceux qui finançaient les anciens fondateurs du parti. Donc, j'ai eu ce goût-là à partir de mon père. C'est ainsi que j'ai continué comme ça en politique. Bien que, étant déjà étudiant au niveau de l'université de Kinshasa, j'étais toujours dans l'UDPS, et c'est ainsi que j'ai eu quand même certaines histoires au niveau du campus dues au fait d'être de l'UDPS, mais Dieu a fait grâce que nous avons terminé. Et nous voici aujourd'hui, on nous a responsabilisés, on nous a donné certaines charges, donc nous essayons de combiner le tout pour l'amour de ce parti. C'est ce que je pourrais vous dire maintenant. Alors, vous êtes informé que nous sommes dans une période électorale. Dans cette période électorale, il y a beaucoup d'histoires qui se font et qui se défont. Est-ce que vous suivez les activités ou la campagne du président Félix Tshisekedi sur les réseaux et sur les autres antennes? Et si oui, qu'est-ce que vous avez retenu? Bien évidemment, nous suivons la campagne de notre numéro 20. Nous pensons qu'il est le meilleur. C'est lui qui va pouvoir remplir pour assurer les acquis déjà qu'on a et essayer de
de remettre sur le rail ce pays qui était de fond en comble dans une fossé qu'on ne pourrait même pas calculer. Nous suivons cette campagne et cette campagne est marquée par l'engouement populaire. Vous avez un engouement terrible. Les gens sont en train de voir comment le président est acclamé partout, reçu partout. Je dirais même comme un sauveur, disons. Donc, voyez les pleins de foule qu'il est en train de faire dans tout le pays, ce qui démontre qu'il y a une communion entre la population et son président. Ce qui nous donne encore cette force de dire que nous allons rempiler et nous allons remettre ce pays sur le rail. Remettre le pays sur le rail, c'est une chose. Mais qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui amène cette population à être tout joyeux, tout excité quand tu vois Félix Tshisekedi descendre sur terrain? Et pourtant, les gens voulaient dire qu'il a beaucoup promis, mais il y a eu trop peu de réalisations. Le gens, cet engouement populaire est dû au fait que les gens ont remarqué, d'abord, un, il y a de la volonté de changer les choses. De deux, on est en train de faire beaucoup de choses que peut-être certains qui sont à Kinshasa ne connaissent même pas. Vous savez, aujourd'hui à l'intérieur, on est en train de construire des écoles, on est en train de construire des centres de santé, on est en train de faire des routes. Tout ça donne à cette population l'espoir que ce monsieur qui, pendant des années, nous avons attendu, ce monsieur est en train de faire ce que les autres, ses prédécesseurs, n'ont pas pu faire. Voilà pourquoi il y a cet engouement total partout où passe le président de la République. Oui, en tout cas, les images font foi pour tous ceux-là qui ont Dieu pour voir, ils le voient. Mais il y a des mauvaises langues qui disent que ça, c'est un ami qui m'a attaqué aujourd'hui, et je voudrais que la réponse vienne de vous, que et le président Félix Tshisekedi et tous les membres de l'UDPS, ils sont en train de frissonner devant Katumbi, et ils voient que Katumbi, c'est lui qui risque de renverser le mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces messieurs? Bon, je suis d'abord, il faut voir Monsieur Katumbi à. Je n'irai pas jusqu'au. Mais je voudrais quand même donner quelques exemples. D'abord, un, lorsqu'on a une difficulté dans une locution, comment on va faire passer ses idées? Ça, c'est un point. De deux, lorsqu'on n'a pas une idéologie, parce que Monsieur Katumbi, c'est vrai qu'il a peut-être des moyens. Encore Dieu seul sait comment il a eu ces moyens-là. Mais ici, je dirais, quand on veut utiliser les moyens qu'on a pour s'acquérir une certaine notoriété, mais on n'a pas une base. Je dirais qu'à l'UDPS, par exemple, Félix Tshisekedi sort d'une grande école qui est l'UDPS. Et l'UDPS, tout le monde sait que c'est à partir de l'UDPS que tout le monde a eu quand même, de tous ceux qui sont passés par l'UDPS, ont eu quand même certaines notions pour pouvoir faire la politique. Alors, je dis que Félix Tshisekedi est d'abord par la volonté qu'il a démontré. Deux, parce qu'on peut comparer les deux. Félix Tshisekedi a présidé le Congo, maintenant ça va faire 5 ans. Moïse Katumbi a géré le Katanga, ça va faire presque 8 à 9 mois. Mais essayons de comparer. 8 à 9 ans, 9 ans. 9 ans, pas 9 mois. 9 ans, oui, 9 ans. Et maintenant, voyons qu'est-ce que M. Katumbi a fait au grand Katanga, pas le Katanga divisé, le grand Katanga, et qu'est-ce que Félix a fait pour tous les Congos. Vous voyez, Félix a un discours et Moïse ne peut que promettre et il fait certaines promesses qui sont fallacieuses, qui ne peuvent pas même être tenues. Vous voyez, donc un discours démagogique, alors qu'ici, on peut faire ce qu'on appelle maintenant dans le football, le VAR. Le VAR, c'est pour dire, nous avons une caméra qui pourrait nous démontrer tout ce que Félix a fait. On peut commencer par, un, la gratuité de l'enseignement. On peut passer par
de par maintenant la gratuité de la maternité, nous ne pourrons pas, nous, au niveau de l'UDPS, avoir peur de Katumbi. Disons, d'abord, monsieur Don, vous savez qu'au Congo, l'élection, c'est d'abord une affaire anthropologique et sociale. Dites-nous dans quel coin monsieur Katumbi pourrait avoir beaucoup de voix, plus que notre candidat Fatih Béton. Disons-nous clairement, parce que au niveau du pays, quand on fait des élections, on élit en fonction de l'anthropologie, donc le lien qui nous lie avec la personne. Disons-nous, aujourd'hui, nous prenons le Bas-Congo. Le Bas-Congo, c'est un fief de l'UDPS. Nous prenons le grand Kassai, là, n'en parlons même pas. D'ailleurs, j'ai suivi une vidéo sur le net, le genre de Bas-Congo qui disait que si au Kassai, vous élisez le président à 90%, nous, à notre niveau, nous allons l'élire à 94%. prenons maintenant la zone Est. Qui sont ces monsieur qui peuvent donner à monsieur Katumbi les voix? Parce que chez nous, les voix se rapportent. Comme je suis du coin, je demande aux gens du coin pour pouvoir voter la personne en qui j'ai confiance. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'élection basée sur l'idéologie. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Vous comprenez? Et donnez-moi, Katumbi va battre Félix où? Au Grand Équateur? Mais le Grand Est? Peut-être à Kisangani, puisque... Disons-nous certaines vérités. Peut-être à Kisangani, puisqu'on dit à Kisangani, il a drainé aussi la foule. Hein? Papa, on peut drainer une foule. Fally peut drainer une foule. Ouéra a drainé des foules. C'est pas pour autant qu'il a été, élu député, même si il a dit qu'il a été... On a volé son élection. Papa, drainer les foules, c'est une autre chose. Avoir de gens qui peuvent vous élire, c'est une autre. Très bien, excellent, puisqu'on dit qu'il faut transformer la foule en électorat. Très bien, docteur, je suis content que vous ayez appliqué cette notion. Allez-y. Oui, et maintenant, aujourd'hui, je dis, nous avons tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, nous avons ce quatre coins-là d'en nommer. Félix, je vous dis, monsieur Don, ayez vos apaisements, Félix va battre à plate couture ce monsieur-là. Parce que on le sait, c'est un monsieur qui est valorisé par la communauté internationale ainsi que les médias extérieurs. Mais disons-nous, au Congo, dans le Congo profond, on connaît ce monsieur et il sera battu à plate couture. Donc croyez-moi, les actions qu'a posées Félix, les bases qu'a posé Félix, je pourrais dire, dans 2 ans et demi, a fait montrer aux gens... Moi, je connais quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui habite du côté de Sangamamba, qui fait un témoignage. Il dit, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un président, ne serait-ce que penser faire une route pour nous désengorger, nous autres. Mais aujourd'hui, il y a une route qui est faite là-bas pour pouvoir... Mais ce monsieur-là dit, non, mais... Ces messieurs, je prie l'Éternel que Dieu soutienne le président et qu'il reste pour lui. Le président peut rester à jamais parce que c'est quelqu'un qui a pensé à pouvoir faire une route qui va le désenclaver. Vous comprenez? Il y a les actions qui en sont faites qui plaident pour l'actuel président. Ne vous en faites pas, le président va rempiler. En tout cas, alors nous retournons maintenant dans ces actions, réalisations et des programmes. Les gens disent toujours que quand Félix a pris le pouvoir en 2019, il a juré sur la paix dans l'est de la RDC, mais on voit que les canons continuent toujours à tonner et puis les bruits de bottes n'ont pas cessé non plus. Que répondez-vous à ces gens? Ok, d'abord... Premièrement, vous devez comprendre que le fait que Félix arrive au pouvoir, les gens connaissant du quel bord était Félix, nos adversaires ont ressuscité ce mouvement de M23 pour lui faire un chantage. Aujourd'hui, Félix, bien sûr, a dit que la sécurité à l'Est
était quelque chose de très important pour lui et il était prêt à pouvoir donner sa vie. Monsieur Dong, aujourd'hui, je peux vous assurer, à moins que je ne m'abuse, le président Félix est le seul président à avoir consenti autant d'argent pour notre armée. Mais voyez l'état dans lequel le président a trouvé l'armée. Le président a trouvé l'armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Toutes les décisions qui pouvaient être prises au niveau de l'état-major général étaient connues de l'autre côté. C'est ainsi que lui pensant que nous avions une armée qui pouvait tout de suite contre-attaquer et qu'on pouvait gagner du terrain, mais il s'est rendu compte que nous avions beaucoup de traîtres au niveau de, même au niveau du commandement militaire. C'est ainsi que les choses ont essayé un peu de patauger. Mais croyez-moi, c'est ainsi qu'il a créé l'état de siège. L'état de siège était en quelque sorte pour ne serait-ce que donner, faire quelque chose pour assurer la sécurité à nos frères et sœurs de l'Est. Mais quand les gens disent que les choses n'ont pas évolué, les choses ont quand même évolué, malgré le fait qu'on tue nos frères et on tue nos sœurs qui sont de l'autre côté, mais les choses pouvaient encore être pires si on n'avait pas pris les mesures qui ont été prises par le président. Donc, ça reste une priorité pour le chef de l'État, et le chef de l'État est en train de préparer l'armée. Vous avez ouï dire que le chef de l'État a lancé un appel aux jeunes gens pour pouvoir intégrer l'armée. Et aujourd'hui, nous avons plus ou moins 40 000 jeunes qui sont en formation. C'est pour pouvoir remettre l'armée sur le pied et ainsi pouvoir sécuriser nos frontières. Donc, la question de la sécurité de l'Est est vraiment une question primordiale pour le chef de l'État. Et rassurez-vous, il y aura la sécurité à l'Est parce qu'on est en train d'y travailler. Mais alors, parlant de la sécurité dans l'Est, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, puis ça ne se voit pas clairement, quand on cherchait à éradiquer ces groupes armés, on a constaté que le fil conducteur de cette rébellion dite de M23, ou c'était le pillage des ressources du Congo. Quand ils prenaient ces ressources, ils se faisaient de l'argent pour s'équiper. Alors maintenant, pendant cet état de siège, il fallait couper ce cordon ombilical qui leur donnait cette matière. Est-ce que ce n'est pas un progrès? C'est vraiment un très très grand progrès, comme vous le dites. D'abord, la guerre qui nous est faite, ça, c'est d'abord une guerre économique. C'est pour nos minéraux qu'on est en train de nous tuer. C'est à cause des minéraux. Aujourd'hui, avec le tas de sièges, je vous dis que ça commence à grincer dedans de l'autre côté. Tout à fait. Puisque il y a même des entreprises qui ferment déjà au Rwanda. Voilà. Et j'ai même ouï dire qu'il y avait une deuxième banque qui était en train de faire faillite. Je ne sais pas. Vous voyez que dans ce cas-là, les gens ont pensé que Félix était en train de blaguer. Non, nous savons pourquoi cette guerre nous est menée. C'est ainsi qu'on est en train de fermer hermétiquement tous les trous. Quand vous pensez que non, de l'autre côté, au Rwanda, on est en train de grincer dedans et Kagame est en train de respecter, c'est parce que c'est que là où vous pouvez s'approvisionner, tout est bloqué. Tout à fait. Tout est bloqué et c'est ainsi que vous verrez, il est en train de tout faire parce qu'il sait qu'il puisait, il avait de mamelles de l'autre côté, mais quand, au niveau de ces mamelles, quand il n'y a pas du lait qui sort, papa, on risque de devenir cochon corps. C'est ainsi qu'il est en train de pleurnicher partout. C'est ça. Et surtout, il est en train de bloquer tout ça et c'est ainsi qu'ils sont vent debout contre, et non seulement le Rwanda, toute la mafieuse communauté internationale qui est derrière le Rwanda est en train de respecter. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, non, la communauté internationale a dit ceci. La communauté, pour eux, ils ne voient pas la réalisation de Félix. Pourquoi? Parce que Félix ne leur donne pas le moyen de pouvoir prendre ce qu'ils voulaient. C'est comme ça les choses. Exactement. Le Congo
va se mettre debout et tous les autres pays qui nous entourent pourront maintenant ils vont voir de loin le Congo. Ils vont avoir peur de nous. Et ils auront des répercussions, puisque si le Congo, qu'on dit que c'est un éléphant à pied d'argile, s'il se mettait debout, donc c'est-à-dire tout l'entourage va en profiter, ça c'est certain. Voilà, et aussi quand l'entourage va en profiter, et ils vont avoir peur de nous, c'est ainsi que peut-être certaines personnes ne comprennent pas, mais nos voisins n'aiment pas que nous nous mettions debout, parce que si nous nous mettons debout, ils seront sous notre férule, ils seront en dessous de nous, ils vont vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, dites-nous une chose. Aujourd'hui, s'ils ont fermé la frontière entre le Congo et le Rwanda, qui en souffrirait de plus? Est-ce le Congo ou le Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, on a de preuves que quand on ferme, quand le Rwanda ne prend pas nos matières premières, mais l'économie est en train de vaciller chez eux. Tout à fait, tout à fait. Oui, un peu, oui, voilà. Oui, et puis vous avez évoqué un élément très important, des tueries. Mais docteur, il faut reconnaître qu'avec cet état de siège, on a réduit l'état des nuisances de ADF Nalu qui tuaient à volonté. Aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure d'aller tuer dans nos villages. Oui, effectivement, aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire du n'importe quoi. C'est ainsi que les gens qui... Demandez aux gens de l'Est, ils vont vous dire l'intérêt ou l'importance de cet état de siège. Nonobstant ceux qui... vous savez que la guerre profite aussi aux businessmen. Vous verrez qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils étaient en train de faire des business qui sont donc au détriment de l'État congolais, c'est ainsi que ce sont ceux-là qui essaient un peu de pouvoir soulever la population pour leur dire, voilà, il faut qu'on lève l'état de siège, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Dites-vous qu'il y avait aussi certains Congolais qui profitaient quand même de cet état de choses pour se faire un peu de moyens. Exactement. Mais quand on essaie un peu de bloquer tout ça, bon, ce n'est que normal qu'ils puissent se fâcher et vouloir qu'on lève le tas de sièges. Mais le tas de sièges a permis à ce que beaucoup de choses soient faites et qu'on évite beaucoup de tueries, qu'on évite beaucoup... peut-être, si on n'avait pas le tas de sièges, qui sait si Goma serait déjà pris? Absolument. Donc le tas de sièges a permis d'améliorer beaucoup de choses. Oui, c'est comme vous dites là aussi, que la plupart des Congolais, ils ont pris cette guerre comme leur source de finances, puisque quand vous lisez le rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, c'est bien établi. Donc ces gens, ils ont fait une étude systématique et ce sont eux qui ont même dénombré les nombres de groupes rebelles et ils ont identifié qu'au moins chacun des notables du Nord Kivu, de l'Ituri, les notables, nous disons bien, ils avaient leur milice. Et voilà. Pour dire que non, ces gens-là, ils gardaient leur carré minier, mais quand ils sont à Kinshasa en voyage, ces jeunes gens ne sont pas nourris, ne sont pas payés, ils allaient maintenant se faire la vie sur la communauté dans des villages pour prendre leur bétail, et voilà comment l'insécurité s'était installée dans l'est du Congo. Oui, donc chacun pouvait se faire, vous avez un... C'est pourquoi toute l'importance de l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. Exact. Quitter les groupes armés. Exact. Quitter les groupes armés. Parce que ce jour-là, chacun avait une petite milice et il se faisait de l'argent avec. Parce que l'Est, il faut se dire, l'Est est tellement riche, c'est ainsi que nous avons tout le malheur du monde. Exactement. Alors, docteur, avançons dans les réalisations du chef. Parlons un peu du social, du point de vue éducation, du point de vue santé. Est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui peuvent parler d'eux-mêmes pour la réélection de Fatty 2020? Non. Prenons d'abord, merci beaucoup pour la question, prenons d'abord la gratuité de l'enseignement. Quelque chose qui est constitutionnel
mais qui n'a pas été mise en œuvre. Aujourd'hui, le président Félix arrive, il met en œuvre ce droit constitutionnel. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement a permis à plus ou moins 5 millions d'enfants de regagner l'école. Est-ce que vous vous imaginez 5 millions d'enfants qui aujourd'hui, s'ils étaient délaissés, allaient devenir une bombe dans le futur? C'était des Kuluna en perspective. C'était des gens qui pouvaient commencer à tuer, à faire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ces enfants, grâce à la gratuité de l'enseignement, ils ont regagné le milieu scolaire. Je dis bien, plus de 5 millions d'enfants qui sont revenus dans les circuits scolaires. Cela a permis aux parents de ne pas épargner quelques moyens qu'ils payaient pour le Minerval. Et l'argent qui pouvait servir à payer le Minerval, cet argent peut servir à faire autre chose. Mmh. C'est qu'il y a un gain au niveau social. Vous prenez la maternité aujourd'hui, la maternité gratuite. Moi, je suis médecin. J'ai accouché dans ma vie professionnelle d'environ 14 ans. J'ai accouché des milliers et des milliers d'enfants. Je pourrais vous dire qu'à Mama Yemou, vous aurez des enfants qui ont grandi et qui sont restés au niveau de l'hôpital Mama Yemou. Pourquoi? Parce que la famille n'arrivait pas à pouvoir libérer la facture. Ces enfants ont grandi comme ça et on les appelait les enfants de médecins. Vous comprenez? Lorsqu'on demande aujourd'hui de pouvoir, un, suivre la maman, les CPN, ce qu'on appelle consultation prénatale, jusqu'à l'accouchement. Deux, prendre en soin le nouveau-né jusqu'à un mois, vous comprenez que ça soulage aujourd'hui les gens qui ne pouvaient pas payer la maternité. Les gens n'ont pas à l'esprit, pour ceux qui, pour le Congolais lambda, n'ont pas à l'esprit ce que coûte une maternité. Moi, dans ma pratique professionnelle, je connais ce que coûte une maternité. Et je sais que j'ai vu autant de mamans qui ont été retenues à cause du non-paiement de la facture. J'ai eu affaire de césarienne, j'ai eu affaire de accouchements normaux. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites une césarienne, par exemple, la moyenne d'une césarienne aujourd'hui, ça nage aux alentours de 600 dollars. Papa, il y a certaines familles qui n'arrivent pas à pouvoir payer ce 600. J'ai vu des gens venir hypothéquer même des postes téléviseurs, venir hypothéquer certaines histoires. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que vous allez accoucher gratuitement, papa, est-ce que vous vous imaginez ce que cela représente? Un grand soulagement, bien entendu. Dans le domaine médical, nous avons eu beaucoup de médecins qui étaient des imbus. Vous comprenez? Aujourd'hui, ces médecins sont mécanisés. Voilà, les enseignants autant également. Autant de médecins qui sont mécanisés. Je suis dans le domaine et je connais combien il y a des milliers, des millions de médecins qui sont mécanisés. Des enseignants également. Quand on mécanise un médecin, cela veut dire qu'il va toucher, d'abord, un, il commence à toucher sa prime, de deux, il touche son salaire. Ce qui fait que ces messieurs prennent quand même de la valeur, parce que quand on travaille, il y a cela, beaucoup d'années, il y a beaucoup de médecins qui ont travaillé 10, 15 ans sans être payés. Voilà pourquoi ma tata, c'est même l'astuce que ma tata avait pour pouvoir maintenir ce qu'on appelait une stabilité macroéconomique, le fait de pouvoir faire une rétention d'argent n'est pas payer beaucoup de gens pour qu'il n'y ait pas plus de la masse salariale au niveau de la circulation. Ainsi dire que nous sommes en train de maintenir le taux de change de dollars à flot. Donc, ce sont des choses. Lorsqu'on mécanise des gens, des milliers de gens, ce sont beaucoup de familles qui sont sauvées. Et ça touche directement le social. Tout à fait, c'est ce que je disais, les enseignants également, les médecins, les infirmiers qui ont été mécanisés. Les infirmiers, n'en parlons même pas. Alors, dans ce cas-là, nous parlons... Au niveau de l'enseignement, oui. Savez-vous combien de NU ont été mécanisés? Il y en a plus de 600 000.
Sur toute la, sur tout l'étendue de la République. Donc on a créé de l'emploi. Est-ce que les gens peuvent s'imaginer de ce que ça représente? On a créé l'emploi alors. On a créé, il y a des médecins qui crèvent, il y a des médecins, il y a, oh, non, il y a des professeurs, des enseignants qui crèvent, qui n'arrivaient même pas à faire quelque chose aujourd'hui. Quand on les mécanise, monsieur Don, est-ce que vous savez quelle est la joie qu'on peut avoir la famille d'un enseignant qui est mécanisé? Papa, aujourd'hui, le salaire d'un enseignant, il est triplé, parfois quadruplé. Est-ce que vous savez ce que ça représente au niveau social? Mais ce monsieur a quand même un pouvoir d'achat, même si ce n'est pas encore, même si c'est pas encore le bonheur total, mais vous avez quand même un début. Voilà pourquoi il y a un engouement partout, parce que les gens voient les actions que fait le président de la République. Exact. Exact. Non, quand vous parlez qu'un début, c'est pas un début, puisque du temps de Matata, du temps de Mouzito, aucun enseignant pouvait toucher 100 dollars. Mais aujourd'hui, il y a, tout le monde touche au moins plus de 400 000 francs congolais. Donc c'est quand même viable. C'est ce que je suis en train de dire. Le président Félix a... Les gens ne comprennent même pas pourquoi ceci a un effet au niveau du taux d'échange de dollars. Lorsque le gouvernement accepte de pouvoir mécaniser autant de gens, vous avez des enseignants, vous avez des médecins, vous avez des gens de la fonction publique, quand vous avez des assistants au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez des professeurs qui sont mécanisés. Tout ce monde-là reçoit de l'argent, du paiement. Tout ce monde-là sont payés. Tout ce monde-là est payé. Pardon. Et quand on paye comme ça, il y a des masses monétaires qui sont jetées sur le marché. Ce qui fait que lorsqu'il y a beaucoup plus de masse monétaire sur le marché, eh bien, la monnaie locale perd un peu de valeur au détriment de l'autre monnaie qui est le dollar pour chez nous. Vous comprenez? Félix, c'est un monsieur qui vient d'abord du camp social. Vous voyez, il n'est pas un libéral comme les autres, comme les Matata qui faisaient de rétention de salaire pour pouvoir justifier la stabilité de franc congolais. Mais Félix est là pour pouvoir aider. C'est ça même le social. Les gens, je ne sais pas, les gens pensent que le social, c'est quoi? C'est qu'on vienne, qu'on remette de sacs de riz à toutes les familles sur la rue ou comment? Je ne comprends pas. Oui, docteur, alors je pense qu'on a beaucoup parlé sur les réalisations palpables et visibles du président Félix Tshisekedi. Donc la sécurité a donné des fruits, qu'on les veuille ou pas. Nous avons vu que le social est positif. Quand on parle de taux d'échange qui bouge, c'est évidemment puisqu'il y a un problème, on doit serrer la ceinture ensemble, que le peu qui arrive, on se départage. Bon, alors... nous tendons vers la fin de cette émission, mais je voudrais maintenant qu'on rentre dans la campagne et dans les élections. Alors ici, ma question est celle-ci, docteur. Est-ce que vous ne voyez pas que cette campagne électorale s'est faite sous vraiment un état de peur, de violence, de menaces, puisqu'on reçoit des menaces surtout du côté de Katanga, et même vous avez suivi Monseigneur Abongo et Monseigneur Cholet, ça vient aussi du Katanga, que si jamais les élections se passaient et que, on ne cite pas les noms, mais si les résultats donnent un vainqueur qui n'est pas Katumbi, eh bien, ça va chauffer. Quelle est votre réaction? Oui, mais papa, d'abord, pour avoir étudié dans des écoles catholiques, j'ai beaucoup de respect envers les catholiques, même si je ne le suis pas. Je pense qu'à son niveau, le prélat cardinal Ambongo devrait avoir beaucoup de réserves. Vous savez, lorsqu'on occupe une telle position, on ne peut pas se mettre, même si on a ces penchants, mais on ne peut pas se mettre à pouvoir à
ce niveau de responsabilité qu'il a, on doit se réserver de pouvoir tenir certains propos. Donc, je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens pensent? Les gens pensent qu'en disant que voilà, si on élit, parce que pourquoi tous ces gens-là sont en train de dire tout ça? Parce qu'ils ont constaté sur le terrain, effectivement, Félix est aimé. Exactement. Aujourd'hui, même la communauté internationale commence à comprendre que, effectivement, ces messieurs sont aimés. Mmh. Et dès lors qu'on voit déjà, on sent déjà sa défaite venir, on commence à essayer de trouver de stratagèmes pour pouvoir pour contrer cela. Papa, je vous dis que ça a été une très bonne chose que la Cour constitutionnelle ait accepté que Moïse compétissent, ainsi on va lever cet équivoque de mythe. Les gens ont ce mythe-là que Moïse représente quelque chose. Moïse sera battu à plate couture. À plate couture, pardon. Les gens vont comprendre que Fatih est aimé. Moïse peut faire tout ce qu'il veut, qu'il fasse sa campagne. Pourquoi déjà prédire sur quelque chose de négatif? Voilà ce qu'on est en train, voilà le message qu'on est en train de passer dans la population. Voilà, non, comment est-ce que vous êtes en train de faire une campagne et vous dites, non, voilà, il semblerait qu'il n'y aura pas élection de fin. Papa, est-ce que vous pensez réellement à ces élections? Parce que beaucoup de gens ont de chanter. Les gens pensaient que non, voilà, on va proroger pour les élections. Et les gens pensaient que, voilà, les gens étaient dans leur subconscient, étaient en train de préparer la contestation ou dire que voilà, il y aura un dialogue. Et comme on leur a dit, voilà, nous allons aux élections. Et comme ils ont pensé que les moyens feront défaut et qu'ils voient la CENI continuer, ils ont dit que non, voilà, la CENI ne s'est pas encore déployée. Aujourd'hui, ils sont en train de voir que la CENI déploie son matériel. Les gens sont confus. Les gens sont confus aujourd'hui. Ce qui menace, papa, ces menaces-là, ce sont du verbiage. Donc, il n'y aura rien. La ville sera, le pays sera tranquille. Et le 20, les gens iront voter et resteront pour constater qui est-ce qui a gagné. Et nous aurons le VAR. Aujourd'hui, les gens ont de smartphones. On va prendre de photos au niveau de centre, au niveau de vote, oui. Et chacun pourra se faire une idée de qui a gagné. Voilà un peu ce que je peux dire. Les menaces, il faut le mettre de côté. Ça, ce sont des histoires, ce sont des intimidations. Papa, nous ferons nos élections et nous sommes sûrs de les emporter. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Oui, donc c'est une assurance, bien entendu, mais est-ce que vous ne voyez pas que la situation de Kasumbalesa et de Malimbankoulou, c'est un signe précurseur de ce qui peut arriver après le 20 décembre? Papa, il n'y a personne, je dis bien personne, alors personne ne peut défier l'État congolais. Vous pouvez beau être chef coutumier, vous pouvez être beau, leader d'un coin, mais on ne défie jamais l'État. L'État a une force. Et l'État va prouver à ce genre que l'État existe. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et décider, voilà, comme si on était dans une jungle. Non, papa. L'État existe et l'État va sévir pour ceux qui tenteront de pouvoir faire des troubles. L'État va s'occuper d'eux. C'est d'accord. Ce que je pourrais dire. D'accord. Alors maintenant, le dernier point très capital. Nous voyons que le président Félix Tshisekedi, il s'est présenté comme un candidat libre, donc indépendant, pas de l'UDPS. Pour la simple raison que l'UDPS est dans l'Union sacrée. Alors, vous ne voyez pas qu'à la fin, si Dieu voulant, nous voyons Bemba sur le terrain, Kamere sur le terrain, mais jusque-là, je ne me suis pas rassuré sur la présence de Bahati sur le terrain. Mais si jamais il gagnait, est-ce que les autres groupes politiques qui l'ont accompagné ne cherchent pas à dicter aussi leur...
vouloir pour participer, avoir un morceau de Lyon dans le gouvernement, par exemple? Oui, bon, le président Félix s'est présenté en candidat indépendant. Pourquoi? Parce que d'abord, hein, il a beaucoup d'alliés. Pour ne pas froisser les autres obédiences de l'Union sacrée, il a préféré prendre le ticket indépendant. Mais tout le monde sait que Félix a une grosse machine qui est derrière lui, qui est l'UDPS. Un parti représenté sur tout l'étendue de la République. Pour les alliances, vous savez, chez nous, comme je venais de le dire, les élections sont une affaire anthropologique. Les élections sont une affaire des liens sociaux. C'est ainsi que nous avons le leader, c'est lui qui a donné la vision, c'est le président Félix. Les autres compatriotes sont venus en appui à sa vision. Donc, il a dit, souvenez-vous de son discours de 6 minutes, pour dire, ceux qui veulent le développement du pays, ceux qui veulent être avec moi, qu'ils viennent à mes côtés, c'est ainsi que les autres sont venus, vous voyez. Mais cela n'empêche pas que le président puisse composer avec les autres qui pourront nous aider à pouvoir avoir une majorité et ainsi diriger le pays demain. Ce n'est pas quelque chose de très spécial parce que même dans nos pays étrangers, il y a des coalitions, il y a des gens qui se coalisent pour pouvoir gérer. Et sachant les réalités politiques de notre pays, nous pouvions nous coaliser pour faire une force et pouvoir diriger demain avec la vision, bien sûr, de Fachi Béton. Ok, vraiment, donc l'Union fait la force, dit-on. Docteur René Kayoka, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vous donne 2 minutes pour le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous sur votre radio. Et je lance un cri à tous nos compatriotes qui ont de cartes d'électeurs, qui se sont enrôlés ici au niveau des USA, de pouvoir aller massivement voter le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour assurer le lendemain du pays et l'avenir de nos enfants. Le président Félix, il est notre frère. Le président Félix a une vision claire, celle du redressement de la République démocratique du Congo. Le président Félix aime les Congolais. Le président Félix aime le Congo. C'est ainsi qu'il est en train de tout faire pour que le Congo redevienne le grand Congo. Aujourd'hui, on a commencé à parler du Congo, c'est avec l'avènement du président Félix, parce que nous étions à faune dans toutes les organisations internationales. Aujourd'hui, nous retournons. Nous devons prendre la place qui est la nôtre avec le président Fachi. Avec le président Félix, donc il y a une vision claire, celle du développement du Congo, et je vous invite tous à pouvoir voter pour le président Félix et voter aussi les députés qui pourront l'aider à pouvoir avoir une majorité et ainsi mettre en place sa vision et sa politique. Merci beaucoup. Merci. Alors, je manquerai à ma responsabilité si je ne vous posais pas cette question. Est-ce que vous avez un mot pour ce samedi 2 décembre à Washington? Oui, j'invite tout le monde à pouvoir se mobiliser. J'invite nos frères et sœurs, nos combattants, tout celui qui est de l'Union sacrée, à pouvoir converger, faire une mobilisation afin de pouvoir montrer, surtout à la communauté internationale, j'insiste, monsieur Don, surtout à cette communauté internationale qui est vent debout contre notre candidat. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs intérêts sont bloqués avec ce monsieur-là. Chers frères et sœurs, mettons-nous debout. Accompagnons cette action
et faisons en sorte que les gens sentent réellement que le président Félix est aimé et qu'il sera voté d'ici le 20 décembre. Et lui-même étant le candidat numéro 20, il sera voté le 20 décembre, ce qui veut dire que Fachi Azaï Nzambe Assoul. Grand merci, docteur René Kayoka. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Ok, au plaisir. Au plaisir. Et alors, vous qui nous suivez du début à la fin, merci. Vous avez suivi une émission un peu spéciale avec docteur Kayoka, très mouvementé, très rassuré et surtout très positif dans l'aboutissement de ces élections qui commencent le 20, ou qui auront lieu le 20, voulais-je dire. Et nous avons parlé du bilan du président Tshisekedi, nous avons parlé de coalition, nous avons parlé de celui qu'on appelle Challenger. Donc vous avez suivi vraiment sur un ton vraiment clair, où vous n'avez pas besoin d'interprète. Donc, nous disons grand merci à tout le monde et nous croyons vous retrouver demain avec un autre invité. Nous sommes dans spécial élection sur Makolo Digital Radio-Télévision qui est émis depuis New York City avec votre serviteur Don Kayembe. En attendant, ciao! À demain!